Pourquoi avoir choisi une filière professionnelle plutôt qu'une filière générale après votre classe de 3e ? Alors, après ma 3e, moi je voulais concrètement apprendre un métier, découvrir le monde de l'entreprise. Et donc j'ai choisi une filière professionnelle pour apprendre ce métier, le découvrir et surtout donc être en entreprise. Et j'étais assez contre le fait que de suivre une filière générale parce qu'on n'a jamais des bons résultats. Donc plutôt que d'aller en général et faire 3 ans un peu dans le flou sans découvrir l'entreprise, j'ai préféré la voie professionnelle vers un métier concret et des stages directement. Qu'est-ce qui vous a incité à choisir la formule de l'apprentissage pour l'obtention d'un BTS? Donc après mon bac pro vente, voilà, j'ai décidé de faire ce BTS, donc négociation relation client. Donc première année à temps plein donc au lycée avec 9 semaines de stage et la deuxième année en alternance. Pourquoi? Parce que tout simplement c'était par sécurité. Je voulais pas faire 2 années donc en apprentissage pour le taux de réussite et plutôt m'assurer voilà une vraie formation complète. Donc la première année pour renforcer l'enseignement général et la deuxième année l'enseignement technique. Comment vous êtes-vous informé pour construire votre projet personnel de formation? Alors grâce à cette brochure-là, donc la brochure UNICEP, qui est consacrée donc au métier donc de l'automobile, j'ai concrètement vu une description donc du métier avec un témoignage qui précisait que après la 3e, un bac pro vente était la solution donc idéale pour ensuite un BTS NRC. Et dans cette même brochure, j'ai trouvé voilà une publicité qui disait que l'École nationale des professions automobiles se situait donc à Argenteuil, à 25 km de mon domicile. Donc je me suis dit, je vais aller aux journées portes ouvertes pour découvrir ce métier, cet établissement notamment. Et ce jour-là, j'ai pris un dossier d'inscription et au fur et à mesure, j'ai rempli les démarches pour être inscrit dès l'année d'après, après ma 3e. Quelles sont vos motivations relativement à l'automobile et à la vente? Alors durant mes 3 années donc de bac pro vente, j'ai effectué donc 24 semaines en tout donc de formation dans l'automobile donc indépendant et dans la moto. Donc j'ai vu pendant 24 semaines beaucoup d'expériences diverses et variées. Et donc j'ai vu plusieurs fois ce que c'était l'entreprise et des contextes différents dans différentes marques. Moi, ce qui m'a permis d'acquérir une vision globale donc du marché, enfin des entreprises et du marché du travail que je vais intégrer à la suite de mes études.